Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo si vous aimez. Bien sûr, activez la petite cloche de notification qui est juste à côté du bouton s'abonner et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Quand vous voyez les annonces passer sur les vidéos, priez de les laisser passer, comme ça vous allez m'aider à régénérer un peu plus de revues que d'habitude. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester juste après l'intro. Détenteur d'un passeport haïtien, je vais partager avec vous aujourd'hui 10 pays dans lesquels vous pouvez voyager sans avoir de visa pour ces pays. Je vais partager avec vous leur situation géographique, leur capitale, leur langue parlée, leur monnaie utilisée. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Aussi, je vous conseille de faire d'autres recherches sur les pays que je vous donne pour être sûr que vous n'avez pas besoin d'un visa, pour être sûr des conditions qu'ils vous demandent de remplir, pour être vraiment au courant à 100% de toutes les conditions nécessaires pour voyager dans ces pays. Je tiens tout de même à ouvrir une petite parenthèse. Votre voyage doit durer entre 14 à 3 mois. Ok? Entre 14 à 3 mois. Faites votre recherche concernant les pays que je vous donne. Les pays que je vous donne, ce sont des pays que moi j'ai cherché et que j'ai vu. Donc, faites des recherches. Normalement, j'ai vu qu'il y a 48 pays dont les Haïtiens peuvent voyager sans visa, mais j'en ai tiré 10 pour vous présenter. Donc, faites votre petite recherche et comme ça, vous allez être sûr de ce que je vous dis. L'Argentine, c'est un pays d'Amérique du Sud. Sa capitale est le Buenos Aires. Et ils parlent l'espagnol et leur monnaie utilisée c'est le peso argentin. Je connais une fille qui est dans mes abonnés, qui a l'habitude d'y aller. Donc ma chérie, si tu confirmes pour moi cette information, prie de le faire dans les commentaires. Ensuite, nous avons la Bolivie. Bolivie, c'est un pays aussi qui est dans l'Amérique du Sud. Sa capitale est le sucre. On s'en fout. Ils parlent l'espagnol et beaucoup plus encore. Leur monnaie utilisée, c'est le boliviano. Donc, le boliviano, c'est la monnaie de la Bolivie. Ensuite, nous avons Philippines. Il y a beaucoup de Philippines en Haïti. Moi, j'en connais beaucoup, beaucoup. C'est un pays d'Asie du Sud-Est. Sa capitale est le Manille. Je ne sais pas si c'est le ou là. Bon, Manille, de toute façon. Ils parlent l'anglais. Et beaucoup plus encore, leur monnaie utilisée c'est le peso philippin. Donc faites vos recherches, essayez d'en savoir beaucoup plus à propos des pays que je vous donne. Ensuite nous avons le Singapour. C'est une ville d'état d'Asie. Sa capitale est le Singapour. Ils parlent anglais et beaucoup plus encore. Ils utilisent le dollar Singapour. Le dollar Singapour c'est leur monnaie d'utilisation. Ensuite, nous avons l'Égypte. C'est un pays d'Afrique du Nord. Sa capitale est le Caire. Ils parlent arabe. Et leur monnaie d'utilisation est le livre égyptien. Donc, faites vos petites recherches et voyagez en Égypte. Ensuite, nous avons la Turquie. C'est un pays au coin de l'Asie et de l'Europe. La capitale est l'Ankara. Leur langue parlée, c'est le turc. Et leur monnaie d'utilisation, c'est le lire turc. Ensuite, nous avons Hong Kong. C'est une région administrative de la République populaire de la Chine. Pas trouvé de capitale. Je pense que c'est une région. Il n'y a pas de capitale d'après les infos que j'ai eues. Ils parlent le chinois. Et bien sûr, leur monnaie d'utilisation, c'est le dollar de Hong Kong. Ensuite, nous avons Corée du Sud. C'est un pays d'Asie de l'Est. Sa capitale c'est le Séoul, ils parlent le coréen et leur monnaie d'utilisation c'est le won, W-O-M. Ensuite, nous avons l'Israël. L'Israël c'est un état du Proche-Orient. Sa capitale c'est Jérusalem
Et ensuite, leur langue parlée, c'est hébreu. Et leur monnaie d'utilisation, c'est le shekel. Ensuite, nous avons Barbade. C'est un pays insulaire des petites Antilles. Barbade, la Barbade. Sa capitale, c'est le Bridgetown. Bridgetown, ils parlent anglais. Et leur dollar d'utilisation, c'est le dollar barbadien. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire vos petites recherches, pour savoir beaucoup plus d'informations à propos de ces pays que je vous donne. J'écrirai le nom de ces pays pour vous dans les commentaires, comme ça vous allez faire vos recherches, essayer de savoir beaucoup plus et bien sûr voyager. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, un commentaire et un abonnement. Bien sûr, laissez passer les annonces quand vous les voyez sur la vidéo. Bye!